parmi nous. Les voilà partis pour le prix de la ville de Sillé avec tout de suite Rose Delbert-Lilly qui s'est emparé du commandement avec Jubilé des Vallons qui vient en seconde position. Bien calé dans son dos, Hilton Chickman c'est en troisième position alors que Midnight Affair vient à l'extérieur et tente de venir progresser juste devant It's a Boy. Les Full Patriot est pour l'instant à l'arrière-garde et c'est Vicky de Tiberge en compagnie de Justin Détunel qui ferme la marche du peloton. Les concurrents abordent le début de la ligne opposée. It's a Boy qui a fait le forcing et qui a pris l'avantage dans cette épreuve alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Rose Delbert Lily qui est là également, qui va tenter de venir progresser. On progresse également en dehors avec le numéro 3, Vénus de la Minière, qui vient également. Et puis Midnight Affair, qui est là également. Les concurrents sont à la mort. Celui tourne en finale et pas de changement de table en tête. Actuellement, une allure toujours très régulière avec, eh bien maintenant, It's a Boy qui tente de repartir de plus belle avec Vicky Tiber, qui va tenter de venir. Et puis Rose Delbert Lily qui revient également. Et puis Midnight Affair, qui vient de décaler à l'extérieur avec Jadondier. Les concurrents sont à l'entrée de la ligne droite avec Midnight Affair qui semble prendre l'avantage associé à Jadondier. Mais Rose Delbert Lily ne s'en laisse pas compter maintenant à moins de 200 mètres du disque final. Midnight Affair qui a l'avantage et qui va rallier le poteau à vainqueur. Midnight Affair s'impose. It's a Boy est second. Rose Delbert Lily troisième juste devant Jubilé des Vallons et Oriel Top Chickmans qui termine cinquième. On peut encourager les derniers concurrents qui terminent leur parcours à l'image de Vicky de Tiberge et puis Justin Détunel.